Cette histoire incroyable semble fausse, mais elle a réellement eu lieu. Voici l'histoire incroyable d'Henry Tandey, le soldat britannique non gradé le plus décoré de la Première Guerre mondiale. Cependant, ce n'est pas là où réside l'aspect étonnant de son histoire. Le 28 septembre 1918, alors qu'il servait dans le 5e bataillon du régiment duc de Wellington, Henry observait le champ de bataille lorsque, dans la brume, au loin, il aperçut une figure sombre. Il prit immédiatement son fusil et se prépara à tirer sur la figure. Ne sachant pas qu'il s'agissait d'un soldat allié ou ennemi, il décida d'attendre que la figure s'approche avant de prendre une décision. Lorsque la figure s'approcha suffisamment, Henry réalisa qu'il s'agissait d'un soldat allemand, l'ennemi. Le soldat allemand semblait gravement blessé et n'était pas armé. Lorsque le soldat comprit dans quel danger il venait de marcher, il s'arrêta complètement et accepta son sort. Henry n'a pas trouvé la force de tirer sur le soldat allemand. Lorsque celui-ci réalisa qu'Henry ne comptait pas lui tirer dessus, il lui hocha la tête en guise de remerciement avant de s'éloigner. Il s'avère que ce soldat était Adolf Hitler.